Lens 10e accueille Marseille 9e, deux formations à égalité de points. Elles sortent toutes les deux d'un match européen. Lens a perdu 1-0 à Eindhoven contre le PSV en Ligue des Champions, tandis que Marseille a gagné 2-0 à Athènes contre la HEC en Europa League. Marseille se présente avec Sarr, Correa et Vitinha en attaque. Un point pris sur les deux derniers matchs. L'OM espère faire un résultat dans le Nord. Mais Lens va mieux. Les Sang et Or restent sur 6 matchs sans défaite, 3 victoires et 3 nuls. Sotoka, Thomasson et Wahi sont titulaires. Première petite possibilité avec Kevin Danseau au deuxième poteau. Ça ne passe pas. Marseille essaye de répondre avec notamment ce mouvement, mais qui ne s'enclenche pas très bien. Les Lensois récupèrent avec Eli Wahi. Il est passé, le tir de Wahi. Ça n'est pas cadré. Nouvelle chance énorme pour les nordistes. Lens insiste et a la plupart des bonnes occasions, mais ça manque de précision. Gennaro Gattuso aimerait voir son équipe un petit peu plus équilibrée sur le terrain. Le score est tout de même de 0-0 à la mi-temps. Au retour du vestiaire, Marseille trouve quelques solutions en attaque, notamment ce ballon qui traverse toute la surface de réparation. Ça revient de l'autre côté. Le centre de Klaus, encore repoussé par les Lensois. Deuxième chance pour Klaus. Puis cette tête et ballon capté par Brice Samba. Jolie tentative pour Gigot. Lens repart à l'attaque. Le corner. Un ballon repoussé pas très loin. Un crochet. Puis la frappe. Le sauvetage sur la ligne. Le but lensois était tout proche. Mais l'intervention de Veretout est décisive. Le ballon n'a pas entièrement franchi la ligne de but. Le chronomètre tourne. Et toujours 0-0. On s'approche de la fin de la partie. Angelo Fulgini pour le corner. Au premier poteau surgit Jonathan Gradit pour le 1-0. 90e minute. C'est le coup dur pour l'OM. Et la grande joie pour les Lensois. Le premier but de la saison pour Gradit. C'est son deuxième but en Ligue 1 Uber Eats. Il avait inscrit le premier la saison dernière. Voici le but qui change absolument tout. Dans les derniers instants, Lens fait un bon classement grâce à ce but, doublant son adversaire du soir. Car Marseille ne parvient pas à revenir malgré ce dernier ballon, cette dernière possibilité. Le centre et la reprise manquée de Pierre-Emerick Aubameyang, entré en cours de match. Il n'y a pas de but supplémentaire dans cette rencontre et la précieuse victoire est pour le Racing Club de Lens. Succès arraché dans les derniers instants, 1-0 contre Marseille.